31 juillet 2018, un nouveau bouleversement en Europe. Le Danemark qui change complètement de politique vis-à-vis des musulmans. Je me base sur trois articles, les seuls que j'ai trouvés. Express Business, donc c'est pas l'Express, c'est Express Business. RT France, qui est un site russe. Média Presse Info, qui est de la droite dure. Mais essentiellement Express Business et RT France. Donc c'est très impressionnant qu'on en ait si peu parlé en France. Et donc je n'ai pas trouvé d'autres sources d'informations. En gros, l'idée générale, c'est que les Danois passent à une assimilation assez brutale, avec des mesures fortes donc, mais surtout qui sont parfois méprisantes à l'égard des non-occidentaux, donc sous-entendu les musulmans. Donc là, on a vraiment quelque chose de... un bouleversement et une anormalité. Donc la volonté d'assimiler ne correspond pas à la mentalité des Danois, et cette tentative ne devrait pas durer. Peut-être qu'elle durera 10 ans et après ils passeront à autre chose. Donc voici les trois mesures qui contiennent du mépris à l'égard, donc normalement officiellement c'est des non-occidentaux, je dirais donc à l'égard des musulmans. Une définition du ghetto, alors c'est le mot que les Danois emploient maintenant. Criminalité, chômage, pauvreté, donc c'est des zones où il y a beaucoup de criminalité, de chômage et de pauvreté, et 50% de personnes donc liées à l'islam. Ce n'est pas tout à fait ça, mais en gros, vous avez une accusation du musulman. Le musulman, en quelque sorte, là, est considéré comme un problème. Là où il y en a beaucoup, on considère ça officiellement comme un problème. Vous avez les peines de justice qui sont deux fois plus sévères pour les habitants de ces ghettos. Et vous avez l'obligation pour les étrangers, pas les Danois, d'inscrire leur enfant très tôt à la crèche. Apparemment, c'est un an. Pour qu'ils soient assimilés. Donc vous avez des mesures classiques d'assimilation, dont l'interdiction du voile intégral, par exemple. Et ces trois mesures, je dirais moi, qui sont méprisantes à l'égard des musulmans. Donc ce sont des mesures prises par une coalition de libéraux et d'identitaires, avec le soutien d'une partie des sociodémocrates, donc l'équivalent du Parti socialiste en France. Un ancien ministre social-démocrate déclare: c'est à eux de s'adapter, sinon nous leur fournirons un billet d'avion pour l'Arabie Saoudite ou tout autre pays qui applique la charia. Donc cet ancien ministre du commerce social-démocrate s'appelle Henrik Sass Larsen, Larsen L-A-R-S-E-N. Donc c'est une déclaration que nous retrouverons dans ce qui est appelé l'extrême droite. Là, c'est un ex-ministre social-démocrate. Ce n'est pas un militant, c'est un ex-ministre social-démocrate. Donc ce changement complet de politique des Danois nous permet certaines déductions. Donc on a un changement complet, c'est un bouleversement absolu. On passe du multiculturalisme, du refus de voir les problèmes que posent l'islam et les musulmans, à assumer qu'on ne les aime pas, vouloir les assimiler et avoir certaines mesures qui traitent les musulmans comme des objets. Des choses qui sont traitées de façon différente des Danois. Donc, on peut faire certaines déductions. Il n'y a pas d'invasion, il n'y a pas de complotisme. L'hypothèse la plus probable, ce sont des élites tarées. En 2015, ces élites font venir plein de musulmans avec le soutien des classes moyennes, alors que les musulmans posaient déjà des problèmes au Danemark et dans d'autres pays. Et ces élites tarées sont balayées dès que la population le décide. Entre 2015 et 2018, donc les Danois changent complètement de politique. Il suffit à la population de râler sérieusement, de le vouloir, pour que ces élites soient changent de discours, c'est le cas des sociodémocrates, ou soient balayées électoralement. Les sociodémocrates ont perdu pas mal d'électeurs. Deuxième point, c'est ce que j'avais dit, ce genre de pays qui vénère l'islam à l'instant T, va finir par passer au racisme. Et j'avais dit, l'intermédiaire, trois étapes, donc le multiculturalisme, on adore, on vénère la différence, puis quand on assume que ça ne marche pas, quand on accepte que ça ne marche pas, on passe à une période de tentative d'assimilation qui ne peut pas marcher là parce que les Danois sont très probablement racistes, et après, quand on
n'assumera l'échec de cette tentative d'assimilation, les Danois passeront au racisme, au rejet officiel de ceux qu'ils n'épousent pas, de ceux qui ne sont pas assimilés, c'est-à-dire de ceux qu'ils n'épousent pas. Alors non seulement nous avons la deuxième étape qui est la tentative d'assimilation, mais nous avons déjà des indices concrets de racisme officiel. C'est quoi le racisme officiel? C'est quand les racistes gagnent les élections. En gros, c'est un pays raciste, et les racistes sont assez nombreux à le dire, à l'assumer, et gagnent les élections. C'était donc le passage du multiculturalisme à la tentative d'assimilation, avec suivi par le racisme. C'était mon hypothèse, j'en parle depuis à peu près 2 ans dans certaines vidéos, et pour la première fois, donc, cela se vérifie concrètement. Voilà, il y a du concret maintenant. C'est un pays qui bascule dans le racisme. Donc, en conclusion, c'est le premier pays d'Europe qui hier vénérait la différence et qui aujourd'hui, en 2018, bascule dans la tentative d'assimilation et le début du mépris, le début du racisme. Donc c'est vraiment le scénario dont je vous avais parlé. On va passer de là dans beaucoup de pays, beaucoup de régions, les régions dont de type protestant, les régions catholiques, de type catholique contre-révolutionnaire, régions et pays, donc tous les pays de passé protestant, plus l'Autriche, plus la Tchéquie, et en France, chez nous, donc les régions contre-révolutionnaires, les régions de passé protestant, la gauche, quoi, la gauche et les centristes, vont basculer de l'adoration bizarre du musulman et du noir à son mépris. Donc là, cette fois-ci, on y est. Nous avons un cas concret d'un pays. Donc vous voyez bien, c'est un tout petit pays de 6 millions d'habitants. Donc s'ils osent faire cela, il n'y a aucun complot nulle part. Il n'y a pas de pression extérieure. C'est vraiment ces gens-là qui ont cette mentalité-là. Donc à un moment, on vénère l'islam, on va vénérer les Noirs, on va vénérer les musulmans. Et le moment suivant, quelques années plus tard, on va rejeter les musulmans, rejeter les Noirs, le critère essentiel étant les mariages mixtes. Voilà, donc c'est un très probable début de basculement de l'Europe vers le rejet des Noirs et des gens considérés comme musulmans. Le 9 septembre 2018, nous avons des élections législatives en Suède. Alors, si les identitaires font un bon score, alors on pourra considérer que le basculement de l'Europe vers le racisme est une certitude. Ce sera raisonnablement certain et qu'il faudra faire des hypothèses à partir de cette certitude. Si, dans un an, je vais faire une vidéo sur les élections, le résultat des élections donc, du 9 septembre 2018 en Suède, et si la Suède vote identitaire, je ferai des extrapolations pour l'Allemagne et pour la France. Voilà, donc un basculement très important d'un pays qui hier adorait les musulmans et qui aujourd'hui commence à les mépriser ouvertement, officiellement. Donc c'est vraiment une date historique, c'est le début de l'expulsion de masse, c'est le début du grand rejet, c'est le début de l'écrasement du rejet des Noirs et des musulmans, et de ceux qui sont appelés musulmans. Ce sera différent selon les pays, mais voilà, c'est l'officialisation, donc c'est le début cette fois-ci, du rejet officiel, soit des Noirs, soit des musulmans, soit des gens considérés comme musulmans. C'est très très impressionnant. Selon un critère simple, en fait, les racistes, les islamophobes finissent par gagner les élections. Et quand ils gagnent les élections, eh bien, le rejet devient officiel. Salut.